Bonsoir à toutes et à tous. Ambiance de grand match ce soir dans cette enceinte. Tout est prêt. Ne manque plus maintenant que le coup d'envoi. Et ça sera enfin parti. Et pour vous faire vivre ce match, évidemment, il y a Omar Da Fonseca à mes côtés, qui est toujours fidèle au poste. Place au foot espagnol et à ce match de la Liga Smartbank. Et on le devine déjà dans l'atmosphère générale. C'est un match magnifique qui s'annonce. Le football ne s'arrête jamais. Et nous non plus. J'ai hâte de voir ce que nous réserve cette rencontre. Voilà, le coup d'envoi de cette première période. Ouais, bien fait, bon pressing pour récupérer haut le ballon. Ouais, le ballon sur l'aile avec un peu d'espace. Ah voilà, il suffit de le dire et finalement derrière le ballon est perdu. L'équipe locale qui aborde ce match avec une stat impressionnante, c'est le meilleur bilan offensif de la compétition. On sent que dans l'équipe locale, tout le monde entretient une relation très fructueuse avec le but adverse. Et il s'est donné dans l'espace, en profondeur. Ah ouais, quel beau geste défensif, excellent timing. Voilà, le changement de rythme, c'est bien fait. Ah, c'était bien parti, mais ce ballon est perdu finalement. Pour mener, quelle énorme occasion de marquer le premier but, mais c'est raté. Cela dit, ça permet d'annoncer tout de suite la couleur à ton adversaire. Le bloc avance bien, il y a maintenant des options disponibles. L'action était bien partie et finalement, c'est perdu. Oui, c'est une bonne intervention sur cette passe. La frappe contrée sans souci.
Allez, bien frappé ce corner. Ouh, le dégagement raté et du coup l'action n'est pas finie. Et c'est une frappe. Bonne intervention pour éloigner le danger. En très bonne position. Et oui, quelle détente! C'est l'occasion pour les publics de mettre une grosse pression sur leur adversaire. Le corner. La défense a vraiment du mal sur ce centre. Attention, ce n'est pas terminé. Et l'attaque se poursuit. C'est une bonne séquence de jeu. Bonne intervention. La passe est interceptée. Quand on regarde la possession depuis 15 minutes, on voit que l'équipe locale a clairement pris les choses en main. Il y a de l'ambition dans les mouvements. Le ballon circule bien. Ça devrait amener des situations pour faire la différence. Excellente intervention, ça sort en touche. On écarte le jeu pour créer un décalage sur l'aile. Et le tir peut-être. Oh, et bien joué, la bonne intervention. Et c'est donc une touche. L'occasion de prendre l'avantage. Et très bonne intervention du gardien. Un corner bien joué, bien frappé. Oh, la parade exceptionnelle! Tout le monde l'a vu dedans, cette tête! Eh oui, tout le monde, sauf le gardien! Quel arrêt hallucinant! Ah, le corner bien tiré. Non, dégagement manqué. Et attention, peut-être une nouvelle occasion. Ouais, ballon récupéré grâce à cette interception. Le jeu progresse pour se rapprocher des buts adverses. Ah voilà, il suffit de le dire. Et finalement, derrière, le ballon est perdu. Et voilà une balle de contre-attaque à gérer. À une bonne contre-attaque qui aurait mérité un bien meilleur sort. C'est vraiment dommage. Avec une bonne progression dans le camp adverse. En excellente position pour tirer. Le centre n'arrivera pas à destination parce qu'il est contré. Oh, attention à ce ballon. Et il y a encore le feu. Et le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Intervention décisive sur cette très grosse occasion. Le danger est éloigné. Oh, la frappe, tir contré sans difficulté. Nous jouerons donc une minute de temps additionnel. La fin des 45 premières minutes et l'équipe locale est pour l'instant accrochée sur son terrain. Les buts sont restés coincés au fond du pot de ketchup.
ils vont tous arriver d'un seul coup en seconde période. Ce n'est pas la meilleure attaque pour rien. L'arbitre vient d'indiquer le début de cette deuxième mi-temps. Place au jeu. Oh, le tacle mal maîtrisé. L'arbitre s'approche et le carton ne serait pas immérité. Et voilà un carton jaune pour cette action dangereuse. Le règlement est parfaitement appliqué. Intervention pour stopper l'attaque. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Coup de pied arrêté, joué en deux temps. Ouais, super geste défensif sans commettre de faute. Ouais, le changement est demandé et il a lieu. À deux, pourquoi pas, il faut essayer. Ah, ça part très bien. Et un arrêt qui fait du bien. La deuxième chance, nouveau corner. Combinaison sur ce coup de pied arrêté. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Ouais, une bonne charge. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Ah non, finalement, l'arbitre revient à la faute. Coup franc. L'arbitre s'approche mais ne sanctionne pas. Il garde le carton dans son petit étui. C'est bien connu, l'arbitre a toujours raison, enfin presque tout le temps. Boum, le ballon est dégagé là. Pas de faute, c'est bien défendu. Le ballon est écarté. Ah, il est passé sur ce bon geste. Et très bonne intervention du gardien. Le public s'est fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Ah, il est bien frappé ce corner. Et donc le ballon sort, 6 mètres. Un peu de coaching avec ce changement.
Avantage, l'arbitre laisse jouer. Ah, et le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ça joue, avantage. Et c'est bien défendu, le ballon est récupéré. Attention pour mener au score peut-être. Oh, l'intervention du gardien. Le ballon change de camp. Un ballon rendu à l'adversaire. Ici un ballon à nouveau perdu. Et c'est un ballon qui pourrait être vraiment intéressant, facile pour le gardien. Neyou. Le ballon circule très bien en attendant la faille. Et attention, la perte de balle là pendant la construction. Quel arrêt, ça vaut très cher. Il permet à son équipe de conserver le match nul. En fin de match, comme ça, c'est absolument vital. Ouais, c'est bien arbitré ça. Il y avait une grosse faute au départ et donc carton jaune. Et le changement va donc avoir lieu. Le corner, le geste est raté, l'action n'est donc pas terminée. Magnifique ce contre. Et ça joue sur Neyou. Excellent timing sur cette interception. Et nous voilà dans les 5 dernières minutes du temps réglementaire. Les deux équipes sont à égalité. Les dernières minutes de la rencontre, c'est l'heure maintenant de tout donner, d'aller chercher le but de la victoire. Et le bon plongeon pour rassurer toute la défense. Arrêt de jeu, et c'est donc l'heure de changement pour les deux équipes. Le ballon est joué court. Ah, la prise d'information pour amorcer une attaque. Rien de très difficile sur cet arrêt. Ah, il y a un contre à jouer maintenant. Ah, la défense peine à redescendre sur ce contre. Le tir. Ouais, la parade. Et pas sûr qu'il y ait encore d'autres occasions de prendre l'avantage, alors il faut s'appliquer sur ce corner. Voilà, un peu de fraîcheur avec ce remplacement. Ah, il est bien frappé ce corner. Quel réflexe sur cette tête! Pour espérer la toucher, il fallait de la concentration, mais aussi des très bons réflexes et des jambes. Quel arrêt!
Le corner bien tiré. Pas de danger sur ce ballon. Il finit sa course dans les bras du gardien. Et ça y est, l'arbitre regarde son chrono. Le temps réglementaire se termine donc sur ce score nul.